Mais oui, notre maman à nous, elle s'appelait Lola et elle était tombée amoureuse, elle tombait amoureuse tout le temps. D'ailleurs, elle était tombée amoureuse un jour du docteur Jivago. Alors elle était partie comme ça dans l'Orient Express et c'est là qu'elle a rencontré nos papas. Parce qu'avec ma sœur jumelle, on n'est pas tout à fait du même père. Nos papas, c'est Igor et Grishka. Elle les a rencontrés dans le train un jour de mai. Bon, voilà comment ça s'est passé exactement. Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma vie, l'essence qui m'oppresse. J'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu, destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait quelqu'un de très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, il était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Mais quand il prit ma main parlante avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur. D'un ton charmant, un peu mon cœur, en un instant j'ai pris son cœur. Je lui proposais fort galamment, venez avec moi au wagon-restaurant. Sous le premier tunnel, très fort, je l'ai serré. Sous le second tunnel, un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Chose bizarre, un matin par hasard, il avait dû se lever du mauvais pied. Il m'a dit pas, et d'un seul coup, j'ai bondi du lit, je me suis habillée. Je l'ai quitté, j'ai rien perdu. Destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. J'étais un peu peinée, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, il était revenu dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand il prit ma main pour se faire pardonner, tout contre son épaule, je me suis appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien. Intéressée, me laissant griser, je l'écoutais et je goûtais. Tout que tout bas il disait. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Dans un petit coin perdu.